ton regard justement sur l'environnement humoristique camerounais? Je pense qu'on a, on a beaucoup de chance d'être... Ça, c'est un Congo, ça, que maman m'avait fait quand je suis parti au Parlement du Rio. Il m'a dit, mais vous, les gars de l'Afrique centrale, là, vous êtes forts. Hein. Ne faites pas comme les Ivoiriens ici, là, ils prennent les sketchs du quartier. Ils sont très trahis. Bon, mais je vais quand même aller jusqu'au bout. Parce que vois, si tu es en train de voir cette vidéo. Bon, il m'a dit qu'on se démarque quand même. Nous, les humoristes en Afrique centrale et particulièrement au Cameroun, on écrit très bien. On a déjà une belle base humoristique. Donc, je pense que c'est déjà un atout. On a toujours eu des humoristes qui se démarquent au Cameroun. Maintenant, en termes de salle, moi, je préfère voir le verre à moitié plein que de le voir à moitié vide. Parce que si tu regardes la dynamique de ces 2, 3, 4 dernières années, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'initiatives et de la part de jeunes pour... créer des scènes et promouvoir l'humour. Je crois il y a Takam qui a son comedy club, il y a Amana et ses amis, il y a Jismiyo, il y a tellement de comedy club à Yaoundé, à Douala on a le Ndolo comedy club, il y a Dionodo qui a le Douala comedy club, on a le Kamer comedy club, il y a des initiatives même à Tchang qui créent une certaine émulation autour de l'humour. Donc je pense que en plus de servir de plateforme d'expression, on est aussi dans la valorisation de l'humour. Donc vous ne soyez pas surpris que d'ici à 5 ans, voilà, le Cameroun est vraiment un grand vivier de l'humour. Soit vraiment un grand vivier de l'humour en Afrique et dans le monde. Dans le, voilà. Le top des artistes locaux uniquement. Uniquement. You want you.